Le disque d'or attribué, mesdames et messieurs, aux artistes musiciens, mérite ou monnayage? C'est la question posée ce matin. Le disque d'or est banal parce que la génération de la musique, la concurrence est comme la vente sur le plan mondial. Alors, comment chaque monde a atteint le seuil de la disque d'or? C'était pour montrer à la face du monde que moi je vends, moi je vends. Alors, tant que le plus long délai, comme ma base de décision, que tout le monde a atteint le disque d'or, c'est faux. Tout ça, tout créer des institutions, ils sont payés. Il y a des taxes, des matériaux physiques, tout est en ligne. Tout le monde a atteint le salaire, certifié. Deux acteurs dans cette histoire de disque d'or. Il y a le producteur. Et il y a l'artiste avec son produit. Parce que je me rappelle à l'époque avec Werason, Solo l'a bien. Oui. C'était la force du producteur. Le producteur a emmené dans une institution. Cette institution-là s'est dit, bah, écoutez, Solo l'a bien a très bien marché. Nous sommes au-delà de disques vendus. Les artistes et musiciens congolais étaient au courant que les Snap existaient. Que c'est Snap qui était habilité, il a coupé sa disque d'or, tout Rihanna aux États-Unis, tout Oyaba Chino et Zali, tout en Afrique du Sud également et Zali. Mais le problème avec Bango, c'est que Sima qui était que disque d'or on a joué, et Zali producteur n'a pas mouto à PC. Il faut en avoir, fans de Somba, il faut en avoir tout Somba en ligne. Parce qu'aujourd'hui, nos artistes, l'équipe de Bango Mingi, ils sont tous les fanatiques, YouTube to, en ligne, et ça, le couteau doit son barabavu. Ça reste dans la mitou et abattu. Kofi Olomide. Oui, 7 disques d'or. Noblesse oblige, mm-hmm. Droit de veto, mm-hmm. Attentat, mm-hmm. Fracata, mm-hmm. Borizanga Kombo, mm-hmm. 13e apôtre. Na éditionné. Oh, ah. Édition en voilà. Voilà. Vous prenez les messieurs comme Kofi Olomide, je pense qu'après 7 disques d'or, personnellement, ça c'est vraiment personnel, des fois ça me fait très mal. Nous sommes dans un pays des musiques, la République démocratique du Congo. Nous avons influencé l'Afrique tout entière. Le premier disque d'or, Tina 7e, sans pour autant que les Congolais comprennent qu'il se passe quelque chose. Qu'il faut tout le monde là-bas disque d'or parce que le monde entier venait de quitter ce genre de disque d'or. Joël Obi, 7 disques d'or à Kofi Olomide. Oui, 7 disques d'or à Kofi Olomide. C'est que nous sommes en 24 à Moko. Il y a des gens qui ont été en parce que le monde en Moko, je crois, en 2008, il y a Borizanga Kombo. Il a vendu plus de 994 000, je crois, quelque chose. Et commis 100 000 T. Mais il disque d'or en dengeni. Et puis, on a un disque d'or qui a commis. Lui, c'est l'artiste le plus titré. Est-ce qu'il y a un disque d'or qui a commis? Tu vois, déjà, moi, je cacophonie dans la carte. Tu ne sais pas si Cristiano Ronaldo Ballon d'or a commis. Lui, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Non, donnez juste les ballons d'or. Qu'est-ce qu'on écrit dans un disque d'or? On certifie, c'est tout. C'est tout. Ce disque d'or a été certifié par les SNEF. Et si Lyon. Ce qui. Aza certifié en France, Aza certifié en Belgique, Aza certifié en Rien, États-Unis. Où est le mal dans la musique congolaise? Mais à jour, on a déjà 7, ça pour autant, bah, tu vois comment réfléchir. Voilà pourquoi l'autre fois, j'avais dit ceci ici. Les problèmes, ils ont des artistes et musiciens. Mais les problèmes, c'est aussi nous, les culturels. Tant que tu as artiste et les disques d'or, quel est l'effort tout ça pour vérifier? Est-ce que les disques d'or, ils ont encore la valeur dans le monde? Ils ont la valeur car ils ont un label. Moi, je ne suis pas d'accord. Mm-hmm. Ezali, pourquoi est-ce qu'il y a Snap qui fait ça la valeur de la casse? Il faut ça la valeur de la casse. Il faut ça la valeur de la casse. Parce que Ndiaye, Ndiaye m'a produit. Ok. Si Ndiaye m'a produit, œuvre. Oui. À Monique, Toteki, plus de 50 000. Mais Ndiaye peut appeler. Il est habilité à décerner ses disques d'or. Mais la question. Disque d'or, il est habilité, disque d'or certifié par Ndiaye. Oui. Mais il est habilité. Je suis bien d'accord que ce soit Ndiaye. Moi aussi, je peux décerner un disque d'or à Tony. Mais est-ce que je suis habilité? C'est ça. Maintenant, c'est qui doit. Ndiaye doit attendre qui? Il doit attendre là où il a vendu. Bato Bazan a syndic. Bassa la vérification. Exactement. On n'est pas décerné. Il y a un trophée. Azan a droit aux zongilaye.
C'est ça. Et les artistes musiciens congolais qui travaillent comme hommes d'affaires, ils ont le droit d'en aller. Je prends mon argent, tu prends les produits. Est-ce que tu es sûr? Je t'ai dit. Parce que bah, droit on a, artiste a beau percevoir on a ma bourreauté. Il faut les gars des banques en banque. Et les gars la banque, parce que tout est traçable. Là, il a compris, c'est que Fabregas. Ah ben t'as 12. Yes, go, yes, 12, go, tout est. 24, c'est un an de la forêt expliquer. Je peux lancer l'invitation à Charlie Prince face à vous? Ouais, on l'a réclamé d'ailleurs. Oui, c'est parce que oui, j'ai entendu un message trop. Bah, on s'est rendu à Charlie Prince. Bah, on s'est rendu à Charlie Prince. Bah, on s'est rendu à Charlie Prince. Il faut aller au lobby. Le 29 octobre, au stade des martyrs de Kinshasa, Netina Fina. Fali Ipupa, Dicap la merveille, El Maravilloso, El Marabi, El Pibe de Oro, El Pichichi, El Nino del Mondo, El Magnifico, El Fantastico, King Eagle. C'est le stade de martyrs, voilà. Pour la première fois, vraiment un show. C'est vraiment la lumière, matos, et où tu as les bandes, et ingénieur, il y a Kiné, les bandes, donc un vrai spectacle. Multiclass, sponsor officiel. Après le sujet de la fois dernière, nous le retrouvons encore puisqu'il y a eu beaucoup d'appels également, d'encouragement aussi comme d'habitude de critiques. Nous avons l'habitude de recevoir toutes ces critiques négatives et positives pour le bon fonctionnement et l'avancement également de nos prestations étranges. Aujourd'hui, après avoir analysé sur le concert de Fally Ipupa du 29 octobre prochain, également, c'est lui de c'est le Scrum au stade de Limika. Également, nous pensons aussi à celui de Hérité Bodongo Kabea Watanabe pour le 25 décembre. Nous avons analysé avec nos eximés confrères. Mais aujourd'hui, encore un autre sujet. Cette fois-ci, le disque d'or attribué, mesdames et messieurs, aux artistes musiciens. Mérite ou monnayage? C'est la question posée ce matin. Nous allons essayer de cogiter intellectuellement avec mes invités encore aujourd'hui. Nous avons le réel plaisir de recevoir également l'une de grandes figures également de la presse congolaise, Joey Star Bangato, qui est là, qui répond facilement à cette invitation. Merci Joey, qui est aussi l'un de nos auditeurs. Là, il faut le dire. J'aime bien d'abord ce que vous faites. Denis, merci. Particulièrement, il faut que je le dise. Et c'est comme ça que quand l'occasion se présente, pendant que je suis au volant, je n'hésite jamais de m'attarder à écouter cette très belle voix et surtout vos réflexions. Donc je vais bien et très enchanté d'être choisi comme cela pour ce débat. Très flatté également, puisque j'apprécie ce que vous faites. Merci. Aujourd'hui, bien que pour vous réveiller ce matin, venir, on a fait une petite blague ensemble, il va dire à 16h, là, je suis au lit. Merci, Pharaon, Mombaya. Alors, on a reçu beaucoup d'appels, beaucoup de messages pour l'émission de la fois dernière, le mercredi passé. Merci à vous, encore une fois, de nous avoir prêté votre disponibilité ce matin. Un petit mot? Non, sinon, on est là, juste des petits coups, en tout cas. Piroger, ouais, Yopé Bachelingaï, ma quelle la combo là, yo. Vraiment. Hein? Et surtout quand tu as dit que tu as fallu pour pas poiter, pour y pas charabino poiter. Mais j'ai beau fouiller et vérifier qu'il avait quand même souhaité de bonnes chances au concert de Wenge Musica 4x4 tout terrain. Ah bon? Tu as quelques infos sur ça? Non, d'abord, premièrement. La bandeau, maman, on a eu une attaque. D'abord, saluer ma fidèle téléspectateur, surtout à RTGA, partout dans le monde, parce que
vous avez sollicité et puis Rojazo Massus à Natal ba commentaire Nabino merci voilà Tozali le loto solo là mambo to yel ben awa disque d'or OK voilà Bev Bev officiel tonton Bev ça va ouais très bien avec des bonnes analyses également merci merci surtout de répondre aussi à cette invitation encore une fois ouais c'était une obligation de revenir encore mais vous avez aimé la prestation de la fois dernière j'ai aimé avec mes co-débatteurs c'était vraiment un débat de haut niveau voilà pourquoi les gens ont écrit Basengi Suzubi saison donc aujourd'hui également je suis très content de retrouver Joe Bangato de retrouver encore Piroge Pifa au Mumbai Voilà, surtout que je suis très content également que Joey soit là, présent, pour cette animation culture. Alors, depuis un bout de temps, la polémique autour de Disque d'or, vous le savez, mesdames et messieurs, a refait surface et défraye bien sûr la chronique. Si pour les uns, le musicien qui obtient ces disques d'or les mérite, les autres, par contre, voient dans cette reconnaissance un système de monnayage au niveau international. Jean Bedel Piana, je cite, a obtenu un disque d'or dans sa chanson Fait de l'amour. On va analyser ensemble. Hein. Et donc, il y a également, avant lui, beaucoup d'artistes l'ont obtenu. Parmi eux, figurent des Congolais ainsi que d'autres nationalités. Alors, avant d'aborder ces sujets, chers invités sur le plateau, laissez-moi peut-être procéder par la définition de quelques termes hein, pour aider nos téléspectateurs. Hein. Le disque d'or. De platine et de diamant, est une distinction donnée à un artiste musicien ou un groupe pour valider qu'il a bien vendu un nombre défini de copies ou l'équivalent en écoute ou téléchargement numérique. Ce sont des institutions sérieuses qui décernent ces disques, notamment aujourd'hui on parle du SNEP, qui est un syndicat bien sûr national, hein, les éditeurs, et l'UPFI, ce sont les deux syndicats de producteurs phonographiques en France, je précise. Hein. Alors, Fally Ipupa vient également d'obtenir un disque d'or après une forte vente de son album, Tokos, un album urbain bien sûr. Une première question, Joey Bangato, je peux commencer par vous, et celle de savoir combien faut-il de ventes d'albums pour avoir un disque d'or? Dans la même logique, quel nombre faut-il vendre pour avoir un disque d'or? Ben, d'entre deux jeux, je pense que vous l'avez si bien notifié dans la définition des concepts. Il est revenu dans ton explication qu'il s'agit des institutions sérieuses. Il s'agit des institutions sérieuses. D'une institution à une autre institution, à chacune de ces institutions-là, la définition de nombre. J'étais une fois avec mon jeune Inosbi. Il me dira, il y a Joey... Bah, disque d'or, nous sommes sur papier, ça rencontre en Afrique du Sud, dans l'institution Mouroboué, où il y a Yébiatama. Il y a 16 artistes musiciens, mais en Afrique du Sud, il y a besoin de disque d'or autant. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que cet artiste-là a vendu dans cette institution-là. Il a simplement choisi cette institution-là. Donc, il n'y a pas de nombre fixe où on peut dire qu'il faut vendre autant pour avoir un disque d'or. C'est par contre ces institutions-là qui définissent les nombres de disques vendus ou autant de nombres de vues à atteindre pour recevoir ces disques d'or. Donc d'une institution à une autre, à chacune de voir et de définir combien il faut vendre dans son institution pour recevoir ce mérite-là. Et pour le cas échéant, en parlant de Fally Ipupa, on nous a parlé de plus de 50 000 disques vendus, donc nous respectons la SNEP, tout simplement. Pharaon, vous acceptez également le SNEP que il faut vendre 50 000 ou plus? Bon, Tony Koko, il faudrait juste essayer de préciser ces petits détails. Joe Bangato l'a si bien dit d'ailleurs. En fait, les nombres des disques à vendre pour atteindre les seuils, ça dépend d'un pays. Par contre, ça dépend d'un pays à un autre. Ok. C'est-à-dire, si vous prenez par exemple aux États-Unis, actuellement c'est presque le même nombre que la France, 50 000 disques d'or, ainsi de suite. Mais si vous partez par exemple au Japon, c'est différent. Chez eux, c'est 70 000 exemplaires. Donc ça dépend d'un pays à un autre. Mais le vrai problème qui se pose là, Ezali, on va dire, nous avons des institutions sérieuses. Et ça, des institutions, Wana, Oyo,
ils ont un peu différent na bateau bazar en fait na fonctionnement nango ils ont différencié na producteur ou APC. Donc s'il faut rentrer dans la logique, il y a Snap, c'est 50 000 exemplaires aux 8 disques d'or. Maintenant, pourquoi on dit plus de 50 000 exemplaires? Simplement parce que na ba chiffre et comment on compte monsieur se joint à la vente physique monsieur se joint par contre na ba vue té mais na ba vente en ligne, ce qui fait que ezokota Snap est un syndicat, ça la va descendre pour la bas physique et puis en ligne pour chronométrer et ça les comptage. Donc du coup, et qu'il n'aura toujours au-delà d'un repoint 50 000 comme seuil, mais ça peut toujours aller au-delà. Alors, puis au Josa, les Roba. Ouais, Lobeza, ouais, n'a pas su raison à Joey, n'a pas su raison à Nico, puisque ce hôtel même, disque d'or, artiste, n'a pas su à Congolais, besoin, ils sont différents. Il y a différents moments. Au moment où je suis à 50 000 exemplaires, je suis à 100 000, je ne suis pas à 200 000. Donc, il dépend de cas de Nenge et à vente, de Nenge, de Bazo Pesselango, de syndicat Oyo, de Bazo Pesselango. Donc, on a raison par rapport à la réflexion. Bev. Ouais, j'ai rejoint tout le monde. Donc, nous sommes juste à l'introduction. Ouais, ouais. Les abonnés, donc, chaque institution, Bazan Nenge, on va définir ça. Chaque pays, Bazan Nenge, on va appeler ça. Il y a d'autres bazaras pour atteindre 50 000, on va pêcher au disque d'or. Ici, comme ça, il y a un net indé, par exemple, dans l'église, il y a un net indé, il y a un dîme, et il y a un net indé, il y a un dixième indé à Zouéli. Par exemple, il y a surtout que dimanche, l'église, il y a un semaine, il y a un net à 200 dollars. Il y a un net à 20. Il y a un net à 10 dollars. Je vais venir donner 1 dollar. Donc, il y a un net à 10 dollars. Il y a un net à 10. Donc, d'entrée déjà, je crois que j'ai rejoint tout le monde. Alors, Star, je reviens à yo pour na tout na skomo tout na oyo. Yebisabiso clairement. Est-ce que le disque d'or devient un outil de communication et marketing selon vous? Bon, d'une pierre deux coups, je pense que à la fois, parce que une personne qui obtient le disque d'or doit se taper les torses. J'ai produit un album, j'ai produit un album à succès, un album qui a marché. Quand je martèle dessus, j'ai fait ma promotion à moi. J'ai fait ma promotion à moi. Donc je pense que en même temps, ça doit être un outil de marketing parce que ça vend l'artiste. Mais cela ne veut pas dire que c'est la finalité et c'est le socle de résultat d'un artiste. Mais du moins, si je produis un album et que cet album a bien marché, j'ai vendu autant. Ce n'est que normal que je puisse marteler dessus. Ce n'est que normal. À moins que je ne puisse tomber dans le quid, puisque vous n'avez pas encore posé la question, à moins que je ne puisse tomber dans le quid où je suis dans un faux. Je suis dans un faux et je me tape le torse d'avoir reçu le disque d'or. Je reste avec vous alors. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un disque d'or? Est-ce qu'il faut payer et puis il faut attendre combien de temps pour avoir un disque d'or? Je pense que Tokos n'a pas fait une éternité pour avoir son disque d'or. Ça n'a pas fait une éternité. Je pense que nous sommes à 5 ans. Nous sommes à 5 ans. Ah, ça prouve que tu as un avis contraire. Hein? Ben oui, parce que. C'est-à-dire que le temps, c'est Dieu. Le temps, c'est Dieu. Et l'interaction, c'est la qualité du produit qu'on a proposé sur le marché. Tout simplement. Ça prendra peut-être autant de temps, ça prendra peut-être peu de temps, mais du moins, il y a deux personnes, deux acteurs dans cette histoire de disque d'or. Il y a le producteur et il y a l'artiste avec son produit. Parce que je me rappelle à l'époque avec Werason, Solo l'a bien. Oui. C'était la force du producteur. Le producteur a emmené dans une institution, cette institution-là s'est dit, bah, écoutez, Solo bien a très bien marché, nous sommes au-delà de disques vendus, vous avez votre disque d'or. Donc à la fois, il y a aussi le producteur qui se vend lui. Oui. Il se vend lui, il dit que, bah, écoutez, n'a pas ses disques d'or, parce que dans Ozela, lobby artiste me soupaye pas nanga parce que avec moi na institution là tout sera bien. Voilà, c'est comme si hier apparemment le terme certifié n'existait pas. Ouais, non, certifié, ils ont terme mot français. C'est un mot français. J'ai dit apparemment. Ils ont vraiment usualité. Il faut le dire. Ils ont vraiment usualité. Ils ont disque d'or nanga na ye nango.
Je ne sais pas, à l'époque, avec Jean-Paul, c'était Jean-Paul Sartre. Hein, c'était avec Jean-Pierre Sartre. Je ne sais pas c'était quelle institution, mais du moins, à Benguiwara, à MCA, bah, pèse mis son disque d'or. Non, ça, j'ai une surprise. Voilà. Bon, mais il y a déjà un débat. Il y a un moment également, Fabregas a aussi brandi son disque d'or en Angola. Même Fally Poupa. Je me rappelle. Fally Poupa aussi. Droit chemin. Le problème est maintenant, il commence à certifier. Non, il commence à certifier. Sur avis, tant que Joey Starazo, il commence à tant offrir ça pour disque d'or et Zouama. Oui. Et puis, si il peut passer la rombon au pomme, tu vas passer et puis disque d'or. Bon, ils ont dépendu par rapport à vente en moutou. Ils ont un artiste Moussou, basoua disque d'or après 6 mois. Artiste Moussou, basoua disque d'or après 1 année, 2 ans. Net Bisso sur le bientôt après 3 ans. Pour cela, bébé, moi, en 99, tu as eu disque d'or en 2002. Donc, après 3 ans, on a eu disque d'or. Papa chérie, je vais plus en aller, soit après 2 ans, il n'y a pas eu disque d'or. Deux disques d'or. On comprend. TH ouais. Et puis Feu de l'amour. Papa, on a eu plus de 4 disques d'or. C'est pas là. Monsieur Soison avec Peter Gabriel, Monsieur Soison, donc, il dépend de la bataille. Il y a artiste Fally, après 5 ans. On est au PC disque d'or voilà na France différence il y a disque d'or il y a Fally na ba disque d'or mususu au artiste na biso bazwa ezaki ba artiste na biso bazwa ba disque d'or au ba producteur ba ke na ba maison ba ye ba pesi bango par rapport ya vente au ba sali pe mingi bango bazwa ko sala ba vente physique ba cassette ba CD donc ezaki comment ezaki par rapport ya distribution. Au moins, l'artiste a mis ses albums. L'album est mis par exemple en France. Producteur, ce qu'on a commencé à distribution. Au EKI, Allemagne, 10 000 EKI, Suisse, 10 000 EKI, Afrique, 20 000 EKI, Amérique. Alors, ça dépendra. Il y a ma vente. Au moins, on va saluer ce qu'on a quand même, celle qui a dépassé soit. Autre temps, autre mœurs. Hein? Voilà. Et le Marambezo évolue. Voilà. Si vous, différence, il y a l'artiste Fally Poupa qui est. Il y a Ezaka France. Donc, vente, il y a France Kaka. Donc, il y a mon moni, comme on a certifié, et ça, Bima. Donc, ils ont été vendus et salamis dans les États-Unis, ou bien salamis en Afrique, ou bien. Non, ils ont été en France. Il y a moins d'années, France. Donc, il y a posé un dimanche, à ce disque d'or, on a été certifié. Mais pourquoi on a posé un dimanche dans la Snap? Non, on a posé un dans la Snap. Comptage, ils ont salamis dans la Snap. Snap, même où tu as bien dit, Fally a certifié que. Au commun, à ce yuana, Kutuzulika. Donc, ils ont le rôle à diplôme. Mais ils ont un petit yo disque. Parce que nous avons gagné dernièrement. La FC a tchapé un concert à Fally. A habité, il y a tchapé un poité. La FC a disque d'or, on paye à hôtel et les larmes. Non, et si on a été, alors ça là, nous avons un journaliste, c'est moi qui relance ces débats. Vraiment. Donc, c'est-à-dire que nous avons recueilli, on a mis au zolo. Pour vendre leur défense. Il y a moins de ma cam, moi, habité. Faon. Ton avis, il nous reste quelques petites minutes, puisque dans quelques instants, c'est les infos. Alors, on va revenir avec vous. Ton avis, je posais cette question à Joey parce que les lobes à toiseaux, t'es les mêla. Les camadis qui dorment à Fally parce que, et où mêli, poisouango. Alors, yo, ma canisne, les années. Très rapidement, je vais survoler quelques points. Pelle-mêle, quand on est toujours sur là. Déjà, pour commencer, les disques d'or universels n'existaient pas. Ah ouais. On a compté ma PC, ça n'existait pas. Exactement. Donc les artistes et musiciens, au Bazora disque d'or avant, ils ont dit bah vente un mokil mobimba. Ça c'est le premier problème. En fait, pour homologuer tout structurer le secteur, nous avons un pays où il y a structuré dans l'industrie musicale là-bas, créer une institution éco discerner tout le PC votre disque d'or, mais ils ont la certifier. Cette certification, ils ont permettre à Bango la faux. Pour la petite histoire, disque d'or et banane. Disque d'or et banane parce que la génération de musique, concurrence est comme la vente sur le plan mondial. Alors, comment que chaque mouton soit atteindre Sei Moko, PC disque d'or. C'était pour montrer à la face du monde que moi je vends, moi je vends. Alors, tant que vous plus loin de comme d'international également, vous avez décision que tout le monde soit disque d'or et c'est faux. Tout ça, l'année, tout créer des institutions, ils sont payés. Ils sont payés. Ils sont payés. Ils sont payés. Physique, tout en ligne. Tout foutre à bon balan de l'Arabie, son salaire n'a pas été certifié. Ce qui nous a. En fait, et même si on a débat au Yalelo. Si aujourd'hui les gens discutent autour de ça, moi mon vrai problème c'est quoi? JB a vendu, Ouera a vendu, Kofi a vendu, tous ces gens-là ont vendu sérieusement. Mais le vrai problème qui se pose dans le niveau de l'Arabie, c'est ils ont découvert les disques d'or en France.
se retenir chaque artiste et musicien avec ce que du fait qu'il va être trop rapproché en France, la musique congolaise est bien accueillie là-bas. Nous avons une forte base kuna et ça là qui va apprendre en kuna. Mais le vrai avec les artistes et musiciens congolais, c'était basaïk ou s'assumer. Sortez-moi tous les disques d'or des artistes musiciens congolais. Tantôt c'est certifié par Soneca ou décerné par Soneca. Il y a France. Soneca, là, tout le monde a dit ça. Il y a France, tantôt il y a Belgique, ça bam, t'as au monde. Alors que toutes ces entreprises, elles ont d'abord des institutions, des disques d'or, mais d'abord entreprise, il y a droit d'auteur. C'était déjà un problème. Mais on va plus loin. Fabrice nous ramène un disque d'or, double disque d'or. Certifié par Snap. Donc, il était au courant que Snap existait. Mais son disque d'or est outikounate. Mais lui, il a écrit certifié par Snap. Donc, les artistes et musiciens. Vous avez comment fait des recherches sur. Il y a, la vidéo est sur YouTube. Mm-hmm. Et il était passé chez notre sœur Hélène Kalema. Mm. Déjà, tous ces artistes et musiciens étaient au courant de l'existence à Snap. Donc, parce même le disque d'or de Fally de Droit Chemin, c'était faux. Mais moi, je n'ai pas dit ici que les disques d'or et artistes et au bas, ils sont faux. Mais j'ai dit ceci. Les artistes et musiciens congolais étaient au courant que les Snap existaient. Que c'est Snap qui était habilité, il a repé sa disque d'or, tout rien aux États-Unis, tout au Yaba Chino et Zali, tout en Afrique du Sud également et Zali. Mais le problème avec Bango, ça s'assume qui était que disque d'or on a joué, et Zali producteur en Angamoutou, à PC. Sortez quelques disques d'or quand il y a un artiste africain, on appelle ça signé par son producteur. Oui. C'est-à-dire un producteur qui s'assume que, on a mis ça CD. Je suis venu à 50 000 dans le pays tel, 10 000 dans le pays tel. Il y a un pays où on a 50 000 épuisés. Donc, je m'assume dans le PC disque d'or. Donc, le vrai point avec les artistes et musiciens congolais, il faut pas s'assumer. Et on est au facilité. Aujourd'hui, beaucoup de gens découvrent Snap Lelo. Alors que ceux qui ont découvert depuis ces années-là, on allait peut-être à ces jours, qu'on a déjà fait dans l'institution. Je veux comprendre, c'est que Fabregas. Ah ben t'as 12. Yes, quoi, yes, 12, quoi, tout est. 24, c'est un an de la forêt, expliquez-moi. Alors, donc, nous continuons ce débat. Beverly, oui. Vous avez la parole. Pourquoi seulement Baptiste Namso Bakoka Teza n'a pas critère ou un athé à Kozoa? Disque d'or, platine. Et puis, en plus de ça, pourquoi les Congolais seulement doutent n'a pas mérite à Baninga? Bon, on est à Aden, c'est normal. Tout le monde, même dans ma famille, dans ma propre famille, c'est normal. Déjà, pour ce qui concerne les critères, pendant que je dis que d'or, ils ont des critères, mais ça, quand même, il faut les canaux pour jouer disque d'or. Déjà, pour obtenir un disque d'or, il faut avoir un bon produit sur les marchés. Il faut avoir des fanatiques qui ont un pouvoir d'achat. Parce que nous sommes dans des fanatiques, mais les fanatiques ont un pouvoir d'achat. Tout ce que tu vois, même dans les youtubeurs, on a pris cet exemple, les YouTube, on a un Moutouaza, par exemple, dans 100 000 abonnés. Mais ça, il y a un souvenir, mais il y a 4 000 personnes. Où sont les autres? Il y a un peu de temps, il y a un fanatique, mais il y a un peu de temps, il y a un pouvoir d'achat en terre, au sombre, à disque. On les voit à l'époque, il y a bien Zobima, il y a TH Zobima, il y a Victor, il y a un peu de temps, etc. Mais aujourd'hui, il y a la vente physique, etc. Moi, je pense qu'il faut d'abord avoir le pouvoir d'achat. La bah, vente digitale. Moi, je pense qu'il faut avoir la vente au sombre, il faut avoir la vente au sombre en ligne. Parce qu'aujourd'hui, nos artistes, les qui citent, ils ont un peu nako boisa ba fanatique to longo la fanatique na ko tcha bon na mutuke YouTube to en ligne et za makambo lokuta do somba ka ba vu ça reste na mitu ya bato mon tokoza mon ki ah na ge streamer ba baka ki na somba ki biloko déjà ils ont sibiso sima on sait aujourd'hui aussi qu'avec notre pays biso ba congolais déjà avant que tout ba YouTube en pays tous ça jamais ma bon ma casse na ko somba ba artiste biso za album ebimi ah mon ba yande ni boka na WhatsApp tant mon boka bongo l'artiste ne gagne pas. Donc moi je pense que aujourd'hui sauf que Moutouangi a joué disque d'or. Surtout, Mingi Mingi disque d'or, on a toujours un vieil O et un Snap. Parce que nous, on n'a pas une industrie musicale. Ah ouais, quoi, ça, le disque d'or, on a vu. Parce que si on a mis, on a vu, ah ouais, moi, je pense, bah, artiste, donc, bah, Fabregas, dans l'album, donc, je pense, on a un gaz dans le disque d'or. Bah, héritier, dans l'album, on a un chemin, je m'y vais. Un gaz dans le disque d'or. Même avec une sans pipe, par exemple. Même avec une sans pipe, maintenant. On va aller avoir même plus de 50 disques d'or, peut-être. Parce que, dans le succès, ça, là, l'album, on est tout ça, tout ça. Mais aujourd'hui, moi, je pense que ceux qui ont besoin via Zoto, artistes ont via Zoto, disque d'or et Snap, il faut se baser dans la photo. Il fallait qu'ils se basent dans la toko swana. On ne dit pas que ceux qui ont fait ça à Rumba, mais savoir aussi s'adapter. Parce que dans mon pire, j'ai insisté dans l'app, ça attend qu'il fallait à Zoto pour nous jouer disque d'or. Mais c'est normal. Il fallait se lancer dans un marché où on a été Karakuna Nanouté. Bon, Mingi Mingi, t'es quoi? Pourquoi? Parce que déjà, on retrouve dans le marché, on a Gims, à Bandi Music Kuna.
avant la fin, on va consommer, on va pirater, on va sombrer à la solo. Dadju, c'est le même. Nani, Nino, etc. Mais il fallait étaler dans le marché. Moi, je pense, au lieu de tout, quand on a si j'ai moi, il y a Sonia qui t'a fallu, il faut te bêter ma boucle. On a 5 ans parce qu'il a réussi à conquérir quand même quelques fanatiques. Parce que bateau, non, mon frère, quand moi, j'ai dit 5 ans, c'est pas que c'est manqué de fallu. C'est par rapport au time. Ouais, moi, j'ai dit que. Tu as dit que disque d'or et dépend de la moutou par rapport à Tana. On a dit bien que. Oui, Rasson avec l'album solo, là, bien sûr, après 3 ans. Voilà, je t'ai rejoint. Non, par rapport à la Le producteur est belé, qui m'a retardé. Au moment où l'album était Camille Pena, mais moyen à un moyen à déclarer à Mingi, et ça par rapport à Batars, on a un poteau en adon. Si on a par exemple l'album, le roi qui bouille sans pipe, on a auto, et ça, l'album, il y a un disque d'or. Si on a même mis en jumi de mort, au héritier niveau, et au bêta port, vous pouvez prendre un disque d'or, mais il faut défendre aussi le disque d'or en haut. Net album, il y a un droit chemin. Tu as un album qui est un disque d'or. Ah oui, car comprendre que ça c'est un artiste. J'ai une question. Même vient d'abuser mon fleurier. L'album n'a eu un nom à zola disque d'or. Vous comprenez que ça va nous amener moins bêti. Disque d'or. La zone tout la rare. Il y a des gens qui ont fait Bogan, mon fleurier. Donc ils ont des gens. Mais je vais quand même poser une question. Alors 7 disques d'or s'il vous plaît. Félicitations. 7 disques d'or. Félicitations Naï. Kofi Olomide. Oui. 7 disques d'or. N'a pas tant qu'il y a eu. Ok. Non, allez-y, y a pas de problème, je ne doute pas. C'est un débat. Noblesse oblige, droit de veto, attentat, ifrakata, Borisanga Kumbo, 13e apôtre. Na édition. Oh, ah. Édition. Voilà. Vous prenez les messieurs comme Kofi Olomide, je pense qu'après 7 disques d'or, personnellement, ça c'est vraiment personnel, des fois ça me fait très mal. Nous sommes dans un pays des musiques, la République démocratique du Congo. Nous avons influencé l'Afrique tout entière. Je me respecte parce que, après, on va dire les Maghreb et tout le reste. Mais ce qui peut être la musique, il y a un fragment de Kobo. Il y a avant l'Afrique centrale et il y a un Katou. Or, il y a un colonisateur et l'Afrique centrale. Donc, il y a notre musique partout. Mais on a passé des premiers disques d'or, Tina 7e, sans pour autant que les Congolais comprennent qu'il se passe quelque chose. Qu'il faut tout le monde là-bas, disque d'or, parce que le monde entier. Venez de quitter ce genre de disque d'or. Mais bisototika. C'est quoi la chose qui se passe là alors? La chose qui s'est passée, c'était parce que partout ailleurs, les gens voulaient bazalana makambo ça sérieuse. Voilà pourquoi ça s'adapte à qui kolongana parce que maman va disque d'or oyo, non certifié, ni na Congo té. Même la France ba ndopé ça va disque d'or non certifié. Dans les années 50 et tout parce que ce n'est pas ça on a 1922. Mais ba ni opé ça disque d'or en 1975. Donc de 22 à 75 certifié, ils ont le droit reconnu. Ils ont au fait, et l'autre, si, on dit que c'est la marque qui a le téléphone. Même si ils ont faux, ils ont certifié. C'est-à-dire qu'ils ont vérifié. Effectivement, il y a la traçabilité. Les artistes et musiciens congolais, il est grand temps. Après qu'on soit disque d'or, s'il te plaît, certifié, il est grand temps pour nous, tout banda ko luka, qu'on soit disque d'or certifié. Pourquoi je m'explique? Aujourd'hui, partout dans le monde, c'est tamboli. La congolité, la musique, c'est une fierté, c'est une force. Mais ces gens-là auront du mal à nous respecter avec ces choses. Oh yo, bisous tous les batouza matasi. Cependant, bato bazo le babaza faible, bazo réussir ko kéko, comme on a pouvoir d'achat côté ka. Kofi Olomide, j'y vais bien les autres. Ça, c'est un carton, un château, peut-être un bateau, un bateau, un bateau, un disque d'or, ça va monter.
pour balinga qui bazala na succès sans pour autant que pousser batona bango na chaque coin du monde basomba bango sérieusement. Déjà le lobe Kofi a un succès en Belgique, a un succès en France, a un succès aux États-Unis. Ce qui a certifié en France, a certifié en Belgique, a certifié en Rien aux États-Unis. Où est le mal la musique congolaise? Mais à jour on a déjà 7, ça pour autant batoba comment qu'on réfléchir. Voilà pourquoi l'autre fois j'avais dit ceci ici. Les problèmes, ils ont qu'à artistes et musiciens. Mais les problèmes, c'est aussi nous, les culturels. Tant qu'on a un artiste et un disque d'or, quel est l'effort tout ça pour vérifier? Est-ce que les disques d'or, ils ont encore la valeur dans le monde? Ils ont la valeur quand on a un label, un studio. Pour un studio, on peut faire un disque d'or. Ça, il ne faut pas l'oublier. Studio, on peut faire un fabrication, on peut faire un Lémi et les autres. Vandi va se décider que disons nous tous travailler na yo banga to avec la tout la yo la zone les gars yo c'est pas une polémique on lui va faire comprendre ma télé sur toi mais en fait là où moi je ne suis pas d'accord Ezali, pourquoi est-ce que il y a Snap ndé il faut ezala na valeur makasi il faut ezala na valeur makasi ya baleni et ko za na valeur parce que ça parce que ce ça la belle vente produire pathétique parce que les autres ont vivre la mondialisation même la musique. Or, au bon bazo bimisa, ils ont une valeur. Mais le problème avec les disques d'or, c'est un système. Et alors, le logo est vers ça, c'est un mot. Moutoumou est à la tille, le logo est à boite. Pour une tole, il y a deux ans la valeur, il y a deux ans la valeur. Parce que fonctionnement est vers ça, c'est à la raboué, mais à la raboué. Actuellement, où le système musical sur le plan mondial, Moutoumou qui jamais qu'on soit disque d'or, pendant que 20 ans, et ça a mis un secteur mon côté. Disque d'or est à sectoriel. Donc, Moutoua Bimisi, 50 000 exemplaires à Tekina Monde va payer ces disques d'or. On aura du mal à localiser ou à situer ces disques d'or. Voilà pourquoi vous allez voir Gims, après avoir réussi à conquérir la France, à Keko Luka, à conquérir l'Amérique. À commencer à la collaboration. Qu'est-ce qu'il cherche? Les disques d'or, il n'y a rien. C'est alors, ce qu'il est en train de chercher. Non, est-ce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, disons que Fally Ipupa, tout le monde s'internationalise. Non, nous avons des que l'Occident a commis Kotchaye. Non, c'est une question. En termes de gens, le disque d'or est sanctionné par rapport à la vente aux artistes à Sali. Il y a une définition. Oui. Alors, pour toi, Fally a atteint le maximum de Yaba vente. Fally a atteint la France. D'accord. Na quand tu as France, mais pour nous, le belaté, ils ont tous les mêmes tesoirs qui album urbain. Non, non, lobby, Azui en haut la France. Okay. Mais ils ont l'artiste, ils sont sous le rôle là, le roi de la forêt. Bah papa chéri, je me plains. Bah viens avec son mon fleuri. Bazouan, oh, était comme un monde. Ça, c'est encore une faiblesse. Pourquoi il peut se poser artiste, c'est bon. Ouais, ouais. Non, ça n'est pas un poser artiste. Parce que, bon, calculant techniquement, débat, je suis très d'accord. Voilà. Calculant techniquement, Jibem Pianaki réussit à vendre 50 000 exemplaires à Belgique, par exemple. Azui disque d'or à Belgique. Bosso Toubaki a été partout dans le monde. Mais autant de disques d'or. Donc, ceci dit, pour le disque d'or et fonctionnaire, il faut qu'il y ait un monde pour battre ça. Il faut qu'il y ait une place. Donc les problèmes, c'est que les alliés n'habitent ces années. Faisons en sorte que les artistes et musiciens, premièrement, travaillent avec des professionnels. Travaillent avec des professionnels, ils ont aussi atteint notre rubrique au producteur à danger, non. Parce que, bah, tout le monde sait ça, l'autoproduction, a joué les disques d'or certifiés. A ça sans label. Et là, bah, disque d'or, sous producteur à PESA. C'est pas fait, en fait, place aux autres. Il y a contre la producteur au sein de la France. Place aux autres. Place aux autres, à la tienne à Mumbai, Zanini. Oui. Ce n'est une institution indépendante. Oui. Autant aussi Lenny avec son label peut être une institution indépendante. Mais à cette institution, parce que j'étais en train de j'étais en train de dire ici en début d'entrée de jeu que j'étais avec mon jeune frère Inosbi. Il m'a parlé d'une institution en Afrique du Sud justement qui décerne aussi des disques d'or. Justement parce que bah, ça c'est censé pour décerner. Ceux qui par exemple Lelo JB Abimisi album là et que à qui une maison à Pessi Bangui qui a teki kuna donc un disque d'or ou un autre ça c'est écouté non non là on ne comprend pas et puis on va pas dans la licence il y a coupé sa licence c'est à dire au moment où les entreprises mais il y a pas alors est-ce qu'on peut avoir l'élément de différenciation maintenant entre le disque d'or et le 7 disque d'or dont vous faisiez allusion comme sur le midi et c'est lui aujourd'hui certifié par Snap
Déjà, Baptiste certifié. Bon, déjà, par non, différent, c'est ça. Non, certifié, ah, certifié, c'est quoi? Ok. Oui. Mais alors, ça va être certifié sans Jean-Poupez Ali. Justement, bon, son disque n'a pas été certifié, mais un disque de la profit. On prend par exemple une société. Exhibition, tu as une Andia. Azaz Institution à certification TIR. Le problème, c'est quoi? Non. Mais il y a moins que comme la disque d'or et JBF de la monnaie qui m'a mis sa sème, décerné par sa sème. Fils, prépare-moi une chanson. On va revenir dans la définition de Tony Coco où on nous disait que c'est après un nombre de ventes que l'on décerne le disque d'or. Disque d'or vente. Si vous soki Ndiaye m'a produit. Ok. Si que Ndiaye m'a tout à produire œuvre. Oui. À Monique. Toteki, plus de 50 000. Mais Ndia, il peut appeler. Il est habilité à décerner ses disques d'or. Mais la question. Disque d'or. Il est habilité, disque d'or certifié par Ndia. Oui. Mais il est habilité. Je suis bien d'accord que ce soit Ndia. Moi aussi, je peux décerner un disque d'or à Tony. Mais est-ce que je suis habilité? C'est ça. Maintenant, c'est qui doit. Ndia, il doit attendre qui? Il doit attendre là où il a vendu. Bato Bazan a syndic, Bassa la vérification. Non, exact. Besoin bas en avant tu veux oui sécurité artiste ils ont une disque d'or certifié pour éviter mon ça débat les artistes et musiciens qui vendent et qui basent la traçabilité de la vente à bango ils ont le droit aux zones là c'est ça et les artistes et musiciens comme l'eau travaillant bas homme d'affaires ou en agnon sont ils ont le droit en athée je prends mon argent tu prends les produits est-ce que tu es sûr je t'ai dit parce que bas droit artiste à vous percevoir on a ma bourreauté il faut les cas des banques en banque et les gars la banque parce que tout est traçable bato baza na la certification na bango que ce soit en Afrique du Sud que ce soit ba pays wana to bazo ndima to comment ko certifier parce que ils vont engager des entreprises pour travailler derrière cette machine là et là n'est la bambo ma artiste et là n'est la avantage mais autre côté les Congo a perdu avec cette certification les Congo avaient perdu avec toutes les certifications tous les disques d'or bandeko bazo pourquoi parce que perception a droit les TVA et toutes ces choses là toujours en route mais la France est bien. Alors d'accord, tous en la certification pour avoir tega awa pour nakati wana babé ngao droit mécanique. Tant ou tega CD na ou tega en ligne, France a un pourcentage mon corps longo la wana. Bané ba gagné. Donc activons les artistes et musiciens na maramo ba certification, ou comme mabiso plus loin que les Congo, tout comme appelle dans institution à certification. Ah pourquoi effectivement. Je pense qu'on va revenir sur le fait qu'on parle des institutions sérieuses. Non, des institutions habilitées par contre. Sérieuses effectivement. Pour être habilité, quand c'est habilité, effectivement, c'est ce que j'ai dit. On revient au même. Ça dit c'est qui est habilité, c'est une institution qui est sérieuse. Tout voilà. À fait. Voilà. Il y a un ambigu. Il y a un ambigu. Et ça, on a un disque qui est sous le biman en boko. Et ça, déjà, un disque d'or, mais par le producteur, par rapport à la taxe. Hein, moyen va certifier en haut ndenge et avant ça ils a été pour qui ba ba taxe on comprendra mais ba disque le roi qui puis sans pipo yo ils ont défendre posant ba disque comme sous ben on disque d'or mais nzembo et ba na hôtel là monsieur les cas en haut déjà va toi bossana ben ba disque le roi qui puis sans pipa ils ont ba disque ou ti cala ba chef d'œuvre le lo o sa mutayo qui a quoi coller là nzembo ni ba bossana net ils ont disque d'or. Bon, yo, il y a un journaliste. Non, moi, je ne me pose pas la question. Moi, je pense qu'il y a un problème. Est-ce qu'on doit poser ma question? C'est pas vrai. S'il vous plaît. Je ne me reste que 2 minutes pour la page publicité. Non, en tout cas, c'est un bon sujet, donc j'espère que tu as un gali sousou. Mais moi, je pense que disque d'or a fallu aux hommes et maman contestation. Pourquoi? Parce qu'avant, il fallait aux disque d'or, tout le monde faisait allusion à ma disque d'or au Badajun, à Gims Bazouaka. Tant qu'il fallait aux snap comme il m'a bé. Et pourtant, tu as allusion à la disque d'or, il y a Dajou, il y a Nino, tout ça. Les gens félicitaient snap. Hein. Tant qu'il fallait aux yeux comme il y a snap, moi, il faut bouillir. Mais pourquoi, quand les gens ramenaient les débats, il y a Dajou, Gims, pourquoi quand tu as pété snap, en gros, pour Anini, il y a Dajou. Tant que vous fallait à deux ou pourquoi ils sont congolais, ils ont des congolais photos. Moi, je pense qu'il faut être fier et puis tout ça, ça bat tout importance en fait.
Parce qu'aujourd'hui, tomber dans les solos, Joël Albi, 7 disques d'or à Koffi Olomide. Oui, 7 disques d'or à Koffi Olomide, c'est que nous avons ils ont un 24 à Moko, et atteignent qu'il va s'y moko, parce que au moins à Moko, je crois, ils ont 2008, il y a Boris Anga Combo. Il a vendu plus de 900. C'est encore combien 994 000, je crois, quelque chose. Et commis 100 000 T. Mais 8 disques d'or, on a gagné. Et puis, on a un disque d'or à Kombio. Lui, c'est l'artiste le plus titré. Est-ce qu'il y a un disque d'or à Marabon? Tu vois, déjà, moi, je cacophonie dans la carte. Tu vas plus que Cristiano Ronaldo Ballon d'or à Kombio. Lui, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Non, donnez juste les ballons d'or. Qu'est-ce qu'on écrit dans un disque d'or? On certifie, c'est tout. Ces disques d'or a été certifié par les SNEF. Et si il ne faut pas écrire, oh, il y a des grands mots pas, oh, il y a des. On a plus exemple. Mais sauf que la disque d'or, non, moi, pas comique. C'est l'artiste le plus titré, le meilleur artiste de la décennie. Joué, il y a un peu de temps. Très important. Certification, il y a JPS et ça sur disque d'or Rwanda. Voilà. Très bien. Certifié par JPS Production. Voilà. Et on a vu ça, on a remis à eux le disque d'or Rwanda. Nazelit, hein? Bon, Nazelit. Moi, je pense que il est très impérieux que les artistes puissent s'assumer. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, je vais revenir à ce que disait Bev tout à l'heure. Félicitons ces artistes. Aidons ces artistes à s'actualiser par rapport à la concurrence mondiale. À l'heure où nous sommes, nous ne pouvons pas dire que ce que les pratiques anciennes revenons à cela. Parce que au moins il faut que l'on puisse admettre ma manière wana ou ma disque d'or ibanai coupé sa ma na actualité y a les lots ils ont concordé les sous-soutés. Mais tobo y a pété que bato bazoa kaba disque d'or wana. Bazoar en gros, il y a mérite parce que l'émulation est à la marque. La vente est à la physique. Mais seulement les lots. Avec la mondialisation aujourd'hui, avec le système, il y a comptage, il y a la vente et tout, il y a la vue sectorielle. Le village planétaire. Essayons, voilà, essayons le monde vraiment, est devenu un village planétaire. Il y a aider les artistes de la s'actualiser par rapport à la mondialisation. Et que les choses se fassent. Et si moi, je me vais poser la question à Mdekomombaya. A aidé Ngaï, disque d'or de Fali. Droit chemin. Et Zaki certifié dans. Zaki non certifié, comme tous les disques d'or à Bakomombaya. Ah, c'est le pas bête absolu 12. Tiens, il y a Zaki Bakomi produit. Sauf le Bibon, donc tu acceptes aussi également que Kibouzampipa, on appelle Zaki 12. Non, Kibouzampipa a été certifié par JPS. Non, certifié était décerné, je préfère. Ben certifié. Non, décerné. Parce que Zaki marquait JPS son producteur. Donc, fallait également c'était marqué au beau musique. Ah, c'était pas certifié. C'est ça ma réponse. Réponse dans l'ordre, c'est la moi. Donc, ils ont époque. Ils ont époque. Ils ont époque. Ils ont époque. Moko, ils ont qui n'aient yoana. Mais n'aient dans le Tegouba, je suis que non. Il faut tout stimuler, l'artiste de revenir, je peux dire ça au bon sentiment, de bien faire les choses. Voilà. De bien faire les choses parce qu'au jour d'aujourd'hui, ceux qui concurrencent, ils n'aient à la rude et que. Au mitian à niveau ya muninga ou mususu il faut ça la neti bango ce monde ceux qui gims azo mettre batu tout d'accord na ba snap wana ceux qui ba daju ba osala ngo pourquoi pas ba fali ba sala ngo pourquoi pas ba wera ba sala ngo donc au jour d'aujourd'hui il faut qu'on se dire que ceux qui mutu abimisi disque naye akinde ko pesa ngo ba expert voilà. Ba expert ou ba contrôler vente naye. Et que lobby, ceux qui ont 50 000 won et l'équipe, ils ont 50 000 et l'équipe, de comprendre que l'artiste Nabisso a marché bien. Voilà. Alors, cette concurrence loyale aussi créera une émulation. C'est bien. Mais le temps va eu un tel à Zupé Disque d'or. L'OPO, on n'a pas eu. Effectivement, et déjà, aussi, déjà, c'était pareil. Déjà, déjà, avec cette certification de Yasnev, il faut se dire que, Naminuto, déjà, j'ai vu sur les réseaux sociaux, Raoul Bakeran, faire rigolo là, il faut avoir. Disque d'or, il y a. Certifié par. Il y a Nini, comment on appelle ça il y a participation. Arrêtez de faire descendre très haut à ce niveau-là. Pour moi, j'estime qu'il s'est fait. C'est descendre. Très bonne réflexion. Surtout quand l'image qu'on te donne. Hein. Non, je voudrais bien. Oui, je voudrais bien écouter Mombaya avec un peu quoi. Ferrego, là, c'est un artiste à part entière. Ok.
Si aujourd'hui, on commençait à nous attarder autour des participatifs, puisqu'il a chanté dans tel album, mais que l'album a réussi à avoir ça, automatiquement, lui, il est aussi honoré, au même titre que l'artiste ou l'auteur-compositeur de la chanson. C'est comme si on prenait Ferrigo là, on réduisait l'artiste à un niveau qui est des fois joie, dépendant des autres. Aujourd'hui, nous avons des artistes. Dans la génération, il y a des Ferrigo, il y a des Fali, il y a des années, il y a des Sali. Il y a des succès, il y a des Kominao, hier, il y a des Ouera, il y a des Jibé, ba kofi ba zo ba disque d'or autobete la masongo mais puisque lelo oyo eza à jour ezo sala mabongo pourquoi faut to banda ko même ba artiste na biso na zone yake ba ngofo ba zo eza ba participatif alors que biloko wana eza sans revenu direct dans la musique faut to expliquer ba to ba terme ya ba droit d'auteur ba droit voisin ya ba royalty eza kana ngoba biloko net ba royalty ba biloko mzu par moment c'est insignifiant. Mais un artiste est obligé de détenir le droit d'auteur. Donc, il a un droit exclusif et local. L'artiste est obligé de disque d'or certifié. C'est son disque d'or d'abord. Participatif, on va commencer à citer tous les noms qui ont participé ou tous les artistes obligé qui parlent dans 4 albums. Mais n'oubliez pas, dans 4, tu as le droit voisin, un guitariste ou un bétagi. Dans 4, tu as un drummer ou un bétagi. Dans 4, un beatmaker ou un composer. Vous prenez un artiste, la star de la scène comme Ferrigo là. Bon, nous classer na bateau bazar des fois na ombre parce que même moto a sala qui des fois au monde a ba clip ce jour ba trophée ba pèse ba clip ba zo ka copie na haut ba pèse à mon réalisateur mais il était dans l'ombre, les gens ont suivi parce qu'il y avait un artiste connu. Ferrigo c'est un artiste connu, c'est une star. Donc ce que nous devons faire c'est créer ce mouvement là qui va commencer à y a au lamusa ba artiste na biso si faut conquérir Libanda dans la possibilité au salon. Tout à l'heure, vous avez demandé ici quelles sont les conditions pour artistes à Kende, Kozoaba, Disque d'Or. Il suffit de travailler avec des professionnels autour des professionnels. De toi. Tout, juste ça. Pas un label, ceux qui sont Sony, ceux qui sont Electra. Non, il faut avoir des professionnels. Est-ce que nos artistes travaillent avec des professionnels? Trop souvent, non, malheureusement. Mais aujourd'hui, Sony est en train de faire un grand travail avec nos artistes. Oui, mais après, les problèmes, c'est les artistes eux-mêmes aussi. Parce que Sony va te permettre, puisque c'est un label au hasard affilié dans Bablo ou presque tout. Avec Sony, tu peux avoir un disque d'or dans Angola, ce qui bâti. Avec Sony, tu peux avoir un disque d'or dans Congo, ce qui tout tient. Parce qu'il y a ça déjà standard, hasard affilié dans Bablo ou dans tout. Mais le vrai problème qui se pose, artiste n'est pas un album qui s'est album. Oui. Sony n'a produit, aux années éditeurs, peut-être que vous appelez Sony. Bablo ou dans ce côté en jeu, pose un disque d'or certifié dans un coin quelconque. Maintenant, c'est à l'artiste d'avoir aussi un entourage où il faut tenir compte de la vision. Pour moi, je suis dit, c'est vrai ce que Dieu a dit. Ils ont vraiment les plus grands exercices au biso culturel. Il faut tout ça la dégâts et tout ça. D'ailleurs, mais le vrai problème, c'est que le débat au salon en 2022, dans le pays, en France, en États-Unis, en 1975. Donc, nous avons un grand retard. Il faut tout accepter. Ah oui. C'est vraiment un sacré retard. 1975, nous sommes en 2022. Donc, il est grand temps pour nous, bah, tout autant, bah, Chagui, bah, nous avons toujours été en retard. Hein? Non, mais c'est pas quelque chose à soutenir. À l'époque, Chagui, nous avons un disque d'or certifié. Même époque, nous avons un disque d'or non certifié. C'était quoi la relation entre les artistes? Il y a également l'artiste Cisco. À l'époque, Michael Jackson, nous avons un disque d'or certifié, un single de diamants certifié. C'était quoi la relation? Aujourd'hui, les artistes et musiciens, faut qu'on soit dans le côté sensationnel, émotionnel, basculer dans le côté business. À l'époque, nous étions tous devant les télécommandes. Il y a des gens qui ont dit, il y a des analogiques, il y a des gens qui ont dit, numérique, bah marche même et salam à Kinshasa. Mais tout ça va plus dedans. Il y a la télévision numérique terrestre également. Donc, ce qui est comme à l'heure, il y a Elokwana, vous contestez ou pas, et Kouya. Mais ce qu'il faudrait faire pour vous subir, conséquence, c'est adaptez-vous. Et ce n'est pas le travail des artistes, mais c'est aussi le travail des culturels que nous sommes. Je voulais voir vos conclusions et aussi faire appel à vous, Kamboetel, le concert Ezobetama, le 29. Moi, je l'ai appelé sur ça parce que je suis venu comme il a appelé Talabiso. Je suis venu à nous sur ça. Joey Star, pourquoi hier, c'est le Oscram qui était ami à Fally Ipupa? Ils ont même pu collaborer ensemble étroitement avec le titre Hors
Tanasi, c'est ça? Mm-hmm. Et aujourd'hui, il se présente également comme ennemi de Fally Ipupa. Est-ce que, vêtons-nous dire que le Congolais c'est réellement vrai ennemi, car il y a un déconnaît Congolais? Alors, es-tu pour ce concert du 29 de Fally Ipupa et celui de Célio Scram pour le 29 également à Limika? Je pense que je... Je vais rester journaliste. Mm-hmm. Le journaliste reste au milieu du village. Je suis le journaliste du concert de Célio. Je suis le journaliste du concert de Fally Ipupa. Ça ne sera pas une Et celui première... de Ute Watanabe, Ferrego, là. Ça ne sera pas une première fois où on a trois affiches même date. Avec la même date. Ça ne sera pas une première fois. C'est vrai que on voudrait bien faire de cet événement-là du Stade des Martyrs un grand événement où Fally pourrait avoir, je ne sais pas moi, la belle fourchette de toutes les artistes autour de lui. Parce que, en fait, Fally Ipupa, moi j'ai toujours dit, cet artiste fait des merveilles en dehors de nos frontières. Les images que j'ai diffusées dans mon émission pendant toute sa campagne de l'Amérique, ce sont des belles images où vous voyez Dallas autour de Fally en train de pleurer. Des images de stade de Bobo Dioulasso, en Côte d'Ivoire, en Guinée. Toutes ces réalisations-là doivent se mesurer aussi ici. Il faut dire que ce n'est pas pour la première fois que Fally joue un stade Mona Congo. Hein, ouais, à Lubumbashi, il était là aussi également. Je vais bien appeler ce stade-là. Kamagnola. 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 Blaguité. 80 ça, c'est le stade de Martyrs. Vous parlez de Kamagnola ici à Kinshasa. Ça, c'est le stade de Martyrs. C'est l'ancienne appellation. Même le mouchoir rêve, ce stade. Ça, c'est le stade de Martyrs. C'est pas peu. Ça veut dire quoi? Ça t'effraie un peu? Mais oui. Comment on n'est pas effrayé? L'époque de J.B. Mpiana contre Werrason, c'est passé, c'est pas l'époque d'aujourd'hui. Bon, là, on est en train de... J'aime bien la réalisation. C'est ce que je dis. Nous travaillons en esprit avec le gars. Regardez ces images-là. On était en train de prêter une réputation à Fally Ipupa, genre... En dehors de la frontière, Fally Aza électrisant. Sur la zone Yukoto, on irait à la peine. Alors, moi, je rêve de cette réalisation. Et ça, les ma. Fally Ipupa na biso, à Betana. Martyr et Tonda. Mais aussi, là où moi je martèle, c'est le côté spectacle. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, on était en train de débattre, il y a quelqu'un qui m'a dit spectacle Aza Nango parce que Aza a outil tourné. Ce qui fait que dans la tournée, ils ont un spectacle qui a présenté qui est en bateau. Mais je voudrais vraiment bien que le spectacle ait répondre présent dans la journée. C'est le Oscram. Je pense que le conflit des artistes musiciens ne date pas d'aujourd'hui. Aza Moutou, Aza n'a pas sentiment, n'a pas assentiment. Je pense qu'il n'est plus d'accord avec Fally Ipupa depuis Belle Lurette. Il préfère. Et aussi avec Héritier Watanabe encore. Il a déjà annoncé le concert du 25 décembre. Oui, il a également retiré la chanson de Héritier Watanabe dans son album. Ouais. Donc, c'est... Qu'est-ce qui se passe dans ces vidéos? Et déjà, le titre de son album, c'est Oye. Oye, le slogan du concert. Oye, d'ailleurs, aussi la Oye, Oye. Donc, ça, c'est Poutine. Il a ses façons, comment est-ce qu'il fait ces choses. Mais je crois qu'il m'a envoyé les images hier, tant à un aéroport, à un côté avion. Donc, c'est une histoire vraie. Il y a des affiches. On a vu des panneaux. Non, panneaux, quand on m'a je t'informe, mon cher, je ne sais pas si je suis en train d'attaquer. Même Wenge Musique à Kalfaka tout terrain, bah non ça déjà concert bah tchaïba panneau, mais non bah si c'est Makamouté na stade. Mais je pense que moi, il y a eu même la guerre, je rappelle la guerre de grandes firmes brassicoles. Ouais. Et Boyaki Wenge Beta, Skola le bic et exclusivité à Nini, Brakongo et à stade des Abamo, Aïmar Oyate. Tout ça. Pour aller gestionner un stade même à Télémac. Pourquoi Tchanaïo banderole, mais. Donc moi je veux faire mon travail, je vais aller tâter du doigt les vraies réalités. Est-ce un stade qui a été payé, réservé, mais du moins le 29, il tient à y être
Et bon, Fally aussi tient à y être. Le 25, nous attendons Héritier Watanabe. On pense que c'est impossible. Mais attention, moi, là, il y a Lyon, Zara à Lyon. On a vu ce que Héritier a fait à la Foire internationale de Kinshasa. Ouais. C'était vraiment inédit, des belles images. C'était époustouflant. Il peut rééditer cet exploit-là. Et surtout que le 25, c'est une date où ça sera l'anniversaire de son papa Werrason. Mm-hmm. On pourra peut-être faire d'une pierre deux coups. Attendons voir. Wait and see, comme on moi, dit je toujours. Pense que cette concurrence est très importante parce que quand nous sortions dans des pays étrangers, on fait le plat. Et ces mêmes étrangers se posent des questions. Comment la maman la maman peut la stade de maman peut arrêter. Faut donc mettre pour maman maman n'a rien. Non, donc mettre la stade de maman peut au ton tapé à maman Libanda. Oh, le maman va au salaté à la maman la bise. Nous devons être fiers de nos artistes musiciens, s'il vous plaît. Dans ma zone, ma stade de maman, ça va être l'ingi, mon repos n'a pas quand même. Je sais pas. Mité, mon amour, nous allons arrêter sur les alarmes. Moi, en tout cas, je suis là, je fais mon travail en tant que chroniqueur culturel. Je suis pour ma conseil à Nyon Soin arrivé. Puis Roger, voilà. Il y a un disque d'or certifié par Snape et Oyana Stade. Au moins, on a. Oh, t'as la allez-y, allez-y. Conclusion. Il y a un peu de temps qui est là. Malheureusement, il y a un jour où on a un contrat. On a modéré le mariage. Hôtel Béatrice. Yo, pourquoi on modère mon mariage? Depuis longtemps. Ok. Depuis longtemps. C'est bien. Dans la salle, déjà, donc. Dans la salle, on a eu un manuel qui est stock. Dans un contrat. Donc, on a un dans un contrat. Donc, on a un cocaté. Yo, vous avez la scène. Et bon, mariage, il y a 10h. Mais il faut préparer. Les portes seront ouvertes à 10h. Il faut ça, la mise en bouche. Je parle les portes. Et en plus, il y a un sentiment. Le 30 octobre, il y a le millénaire avec le roi de la forêt. Werrason va livrer un concert VIP, concert inédit. C'est tout pour la première fois. Werrason, il y a le millénaire. Donc, il y a un concert. Werrason, il y a un fanatique. Il y aura des grands personnalités. Bon, le millionnaire, c'est rien pour le phénomène. Hein? Voilà. Il y aura des grands personnalités. Le quoi, bah, Théo Zambrota. Pour toi, l'air à dollars. C'est quand même Werrason. Oui. Et tout le monde a boss Tosha qui tombe. Il y aura des. Il y a mon frère Adonis Mayalos. Adonis Mayalos. Même ton frère de Boma, Titi Espoir. Titi Espoir. Il y en a un monde qui a été laissé pour la rana. Merci. Il reste 2 minutes, mon frère. Donc, merci. Le 30 octobre, retrouvons-nous chez le millionnaire dans la ville Awa, Werrason, le roi de la forêt. Il y aura un concert VIP, il y aura des rumba. Bah, rumba, nous sommes surtout à Wingé Musique à Maison Mère. Sera au rendez-vous, tous en gâté, tous y en a. Et belé. Je reviens à vous, ce n'est pas pour conclure le dossier disque d'or. Hein. On n'aura pas le temps de conclure. On va encore inviter d'autres spécialistes. Hein. Donc, je prends ces sujets encore pour essayer d'inviter encore d'autres personnes. Pourquoi ne pas inviter mon vieux Jeannot Ninza Odiop? Même Yannick, l'archiviste. Et là, il viendra avec nous, on va réfléchir. Même 10 personnes sur un plateau. Nous avons un beau plateau chez nous. Dans quelques jours, vous même aurez... Même un avocat également. Un avocat également pour en parler. Alors, vos derniers mots pour aujourd'hui? Non, un grand plaisir d'être ici, en tout cas, à partager ce moment ensemble avec Joy Bangato. Pareil. J'ai beaucoup... L'estime, ouais. C'est l'un des meilleurs chroniqueurs de notre pays. Merci beaucoup. Donc voilà, grand plaisir dans la RTG à nouveau. Bien de bonnes choses en bas des côtés. Je peux lancer l'invitation à Charlie Prince face à vous? Ouais, on l'a réclamé d'ailleurs. Oui, parce que j'ai un message trop. Bah, on s'est rendu à Charlie Prince. Il faut que tu aies besoin. Charlie Prince. Non, il faut tes banans besoin. Oui, qu'est-ce que c'est? On va toujours imposer. Non, tu vas poser. Parce que si on va toujours réclamer, c'est que bon, on a peut-être. Ici, comme on va dire, il y a bien. Un son de cloche. Voilà. Il faut avoir le 2 son. Il faut avoir de l'équilibre. Voilà. L'équilibre également. Voilà. Alors, Bev officiellement aussi, des annoncés pour vous. En tout cas, ça a été vraiment un très grand plaisir de partager le plateau avec Joe Bangato, Piroger, pour la Mami Ballet.
C'est dit, bon, bah, et puis être reçu par vous. Donc j'espère que tu as les sous parce que quand le baiser belé, si j'ai dit que le belé, il faut tout ça à choc d'idées. Il faut que les artistes aient des débats, des polémiques. Moi je pense que même si tu as chroniqué, il faut tout ça à choc d'idées. Débat bas à terre. Belé la mort. Voilà, il faut élever vraiment le débat. Pour chuter pendant le concert et les 29, en tout cas, date le 29, il fallait que tu crées un calendrier. Ceux qui m'ont tous bêtes, il faudra bêta. Donc moi je soutiens déjà pour c'est le fois bêta les 29. Donc c'est le fois bêta dans IMCA, Fali fois bêta. N'oubliez pas que vous avez bêta dans le stade des martyrs. Marie-Paul. Voilà, donc c'est comme ça. Merci beaucoup à vous. Merci, c'est la fin de cette tranche d'animation. J'ai même posé la question à Fali puisque il voulait également faire un deux événements du 29 au 30. Ma question, elle était celle d'encourager également l'artiste de faire un double concert. Non, moi je décourage. Bon, mais parce que on a toujours cette date qui reste du 30 octobre 74. Organiser quelque chose. Il y a le combat du siècle. Il y a un peu dans l'objet là. Sauf qu'il fallait abéter à ta moi, double année, la Sénagie. C'est un avis. C'est un avis. C'est un plaisir. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci, Pierre Roger. Le modérateur, j'ai compris, il y a comment appeler MC. Salut, bien, vous reprenez. Également, Pharaon Mombaya, Bev officiel, Beverly. Et aussi Joey Bangato Star avec vous. MC Papouche. Tu peux me permettre de saluer mon amour? Non, mais c'est à la fin déjà, s'il te plaît. Clément, comme c'est ton amour. Mamie, qui nous suit. Après moi, il y a un autre programme. Je vous informe justement, je vous invite à continuer à suivre le programme de la radio-télé du groupe L'Avenir. Et excellentes conditions télévisuelles. Un bon mercredi à toutes et à tous.